Nous sommes une journée d'été, la nuit commence à tomber sur la région parisienne. Le château de la Solitude est abandonné et en ruine. Il est situé dans un parc boisé. Il s'agit en fait d'une maison bourgeoise de style néo-gothique, édifiée à la fin du 19e siècle par un riche chocolatier parisien. Elle servit ensuite de maison de repos, puis de résidence. Il est ensuite racheté par l'État, qui en fait un collège d'enseignement technique pour jeunes mères célibataires. En 1977 et 78, il est dégradé par plusieurs incendies. Laissé à l'abandon, il tombe rapidement en ruine. Il est principalement constitué de chênes et de châtaigniers et abrite quelques espèces d'animaux sauvages. D'un étage. Et après, je pense pas qu'on montera d'un autre étage parce que tout est effondré. Aujourd'hui, entouré de grilles infranchissables, ou presque, il est impossible de s'en approcher. Thank you.
On montera pas plus haut, parce qu'il n'y a plus d'escalier, puis il n'y a plus rien après. Éviter de se tuer quand même, ça sera pas mal. Bon bah voilà, courte visite du château de la solitude, il ne reste plus grand chose. Il se trouve en plein milieu d'un parc. La végétation pousse au milieu du château. J'y vais même pas parce que t'as encore un truc à la con, je vais me baisser, puis je vais arriver, il y aura rien. Ah ça y est, le buzz monte, tout le monde m'aime, je suis leur frère. Mais quand j'étais en galère, y'avait pas un chat que mon père. Mais qui se rappelle? Quand j'étais dans le hall en entendant les clicos. Ah la vie c'est dur, mais hamdoulay le travail paye. Retour au char, bon demain c'est loin, il me reste qu'une feuille. J'te kiffe ma belle. Mais j'ai besoin d'euros, faut que j'aille remplir le frigo. Retour au bon char, retour à la zombie. Higo j'ai pas de chance, j'peux pas laisser tomber. Ça fait clic clic belle.